Bonjour YouTube et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang et d'Antonin pour un nouveau let's play sur SnowRunner bien sûr, hein, le dernier petit frère de MudRunner. Incroyable, bonsoir Antonin. Bonsoir. On a fait vite fait tous les deux le... Ouais, le franchement voilà, hein, le tuto quoi. Alors j'en ai qu'une seule mais est-ce qu'on peut choisir... Est-ce qu'on peut choisir ce truc? Voilà, merci. Est-ce qu'on peut activer la quête, s'il vous plaît? Yes. On doit livrer 2 pièces de rechange au pipeline opérationnel. À première vue, on a besoin de remorques qui sont par là. Enfin, de trucs ou de machins qui sont par ici. T'as pris la mission, du coup? Ouais, j'ai pris la mission. Tu l'as accepté? Bah ouais. Je sais pas comme quoi tu l'as accepté. Enfin, je sais pas, j'ai fait suivre le truc, donc normalement c'est bon. Ah bah je te suis du coup. Je sais pas du tout où on va, mec. Hein. Bah, je te suis. Mais je pense qu'on y va. Hein. Faut savoir écoute. Que du coup, quand tu finis le didacticiel, c'est ferme ta gueule, va en Alaska. Du coup, on est en Alaska. Ça glisse un peu, hein. Attention. Ah. Par contre, la consommation, c'est pas le même que le petit camion qu'ils nous ont filé. Hein. C'est autre chose. Hein. Ouais. On est plus dans le même jeu vidéo. Mais on a fait quelques petites constatations hein, par rapport au 1. Déjà, les dégâts sont répartis en fonction des pièces qu'ils prennent. Important. Alors c'est ton alors moi je suis jaloux parce que t'as trouvé les phares. Ah. Alors oui, mais moi c'est sur mon clavier, donc j'appuie sur L. Oh yes. Gestion cargaison, t'en prends un, j'en prends un. Ouais, fais ce que tu veux. Afficher les tâches. Il y a une tâche, conteneur dans la rivière. C'est moi, c'est Pete. Je travaille pour une entreprise de transport appelée Alaskan Transit. Intestinal, nous avons eu un malheureux accident dans un boyau. Et des conteneurs d'outils se sont retrouvés au fond. Tu vois de ce que je veux dire, hein. Pouvez-vous les localiser et les ramener à la base? C'est accepté en fait. Y'a un mec qui m'a proposé du pognon en plus. T'as tout pris en fait? Ouais, bah j'ai tout pris, tu veux que je t'en reste? Ah, vas-y, prends tout. Je vais essayer de localiser ces caisses à l'autre couillon. Vas-y. Je sais pas si tu vas gagner l'argent aussi. Ah, tu penses qu'il faut que je les prenne aussi? Oh, bah, attends, vas-y. Ah. Attends, je bouge. Vas-y, c'est bon, c'est bon, je fais une sorte. Non, mais trop tard. Non, mais je zoupe là en fait, je te dis. Ah, voilà. Maintenant, on va se percuter. Juste parce que t'es trop con. Tu m'as laté 4 points de moteur, enculé. Tiens, alors que moi j'ai perdu 0 pev, hein. Ça ouais, me fait plaisir. Alors qu'avant. Question de gargaison. À première vue, je peux choisir plusieurs trucs. Hein. Dans le camion, ouais, je peux mettre des pièces de rechange. Rechange. Ouais, mais c'est ce que j'ai, donc vas-y, attends, je vais aller les poser. Au pipeline, j'arrive. Tu crois qu'il faut que tu fasses aussi? Je sais pas, vu que je peux les prendre aussi. Je me dis, bah go les bêtes tous les deux. Hein. Vas-y. Parce que peut-être que je me dis, peut-être ça va valider si un qui le met il va recevoir l'argent mais pas l'autre. Là, ouais. Dans le doute, tant qu'à aller se balader, prenons la quête à tous les deux. Alors il faut savoir que moi je me suis pas renseigné du tout sur le jeu. C'est-à-dire que je sors le MudRunner le 1 et il y avait une promo du coup, je me suis retrouvé avec le 2. Ah, il y avait une super promo hein. C'est Attends, je vais acheter l'autre offert, j'ai pris 20 dégâts à cause de toi. Pour être communiste. Faut aller à droite hein. Ah oui, parce que maintenant on traverse plus, donc on prend les dégâts, c'est un truc qu'il va falloir apprendre à gérer. Ah c'est bon, allez j'ai les phares. Même ma touche elle était pas d'accord, fallait que j'appuie deux fois dessus pour mettre les phares. Ah oui, parce que la première fois tu les mets en feu de croisement je prends tout ça. Ah il y a feu de podium, feu de croisement et plein phare, incroyable. Oh là là. Par contre, y'a pas les clignotants. Y'a pas de clignotants, mec, c'est un jeu parisien. C'est juste un jeu parisien en fait. Attends, faut que tu passes en boîte lente. Hein. Oh, ouais, que dalle, bouge, avance. Je n'avance pas dessus. Et pourquoi t'avances pas? Moi j'avance. Regarde, je te pousse même tellement j'avance. Ah, c'est bien fait, le premier qui passe dans la neige, vu qu'il est dans la neige, il glisse en fait.
Moi, vu que je suis dans ton sillon, je m'en pète. Par contre, oui, cool, on a ton sillon. Ouais. Par contre, je tiens à préciser que je te pousse genre très fort. Hein. Attends, voilà, 13 points de dégâts, super. T'as validé la mission ou pas? Ouais, visiblement, ouais. Du coup, j'ai des caisses en rab. Attends, est-ce qu'il n'y a pas une autre mission? Attends, je regarde. Il n'y a pas une autre mission avec des pièces de rechange? Attends, il y a un truc qu'on a accepté. Il y a conteneur dans la rivière, mec. C'est où? C'est un garage. Suivre. En fait, je sais pas si tu vois, il y a des conteneurs dans la rivière. Tu vois le centre de service d'où on vient? Ouais. Il y a une tour de guet dans le brouillard là. Ouais, à gauche. C'est à peu près par là. Ok, bon, on y va. Voilà. Ok, super. Tu veux qu'on passe à la gas station ou pas? En vrai, ça va. Il faut qu'on apprenne à regarder les. À éteindre notre moteur maintenant. Parce que là, il y a de la consommation à l'arrêt. Chose qu'il n'y avait pas dans le. Alors ça. Dans le large, c'était 3 heures à l'arrêt. Ah oui, c'est vrai que du coup, ça nous permet de faire un peu d'exploration sans trouver la tour de guet. Alors ça, c'est trop bien ça. Allez, c'est parti. Tu passes par là? Ouais, en plus, je suis chargé à bloc, ça passe crème. Ah, et un truc aussi qu'on. Oui, dommage, c'est qu'on peut plus s'accrocher là où on veut. Oh mais j'ai des dégâts visibles sur mon véhicule à l'arrière, trop bien. Ouais, moi aussi. Ouais, ça c'est un peu embêtant le système de le treuil est automatique, moi personnellement ça m'attriste un peu. Enfin, y a pas de possibilité genre maintenant Y de basculer sur un treuil non automatique. Fait que t'es obligé un peu de regarder avec ta caméra là où tu veux treuil idéalement. Et espérer que tout soit à portée. Sinon c'est perdu. Alors, un autre truc aussi que je trouve bien, c'est que t'as la neutre maintenant. Comment ça? T'as la vitesse neutre, regarde à droite. Oui, donc, tout à fait. Tu peux mettre en point neutre et te faire tirer par ton pote pour les réparations. J'avoue. Plutôt que d'essayer de le suivre en appuyant sur Z, parce que sinon ça part en couille. Par contre, t'as détruit la terre, hein. J'arrive pas à avancer derrière. Alors que... je sais. En fait, j'aurais dû te laisser à la limite passer en premier parce que vu que je suis beaucoup plus lourd, je détruis tout. Ouais, vu que j'utilise la vraie technique d'accroche qui consiste. D'ailleurs, c'est une vraie technique d'accroche hein, pour ceux qui sont pas conducteurs de poids lourds. Mais c'est de nager dans la neige, dans la boue, etc. Tu te sers de tes roues, tu fais des droite, gauche, tu nages dedans. Tu la repousses, c'est une technique pour avancer. Quand ça veut pas parce que ça patine trop. Inutile quand c'est de la boue pure, utile quand le sol est gelé et que ça patine à mort. Voilà. On peut pas faire ça n'importe quand, n'importe comment, évidemment. Et surtout, grande révolution de ce jeu, hein, c'est incroyable, c'est que tu roules dans des sillons, quoi. Et non pas dans tes propres sillons. Ça, c'est bien. Putain, je suis en train de m'enterrer alors que je suis en lente. Chais. En fait, j'ai juste envie de toi dire chais. Eh, hey, j'ai trouvé un truc ici. Mec, y a un mec qui a un. Mec, y a un mec qui a un contrat. Ouais, mec, afficher la tâche. Afficher la tâche, boum, on prend l'argent. Voilà, c'est parti. C'est quoi? Bah, je sais pas, je te laisse regarder dans tes quêtes. Hein. Ah, attends, il y avait encore un truc au bout là. Fallait livrer juste des caisses parce qu'attention, j'ai deux caisses sur le dos. Hein, moi, s'il y a que ça pour te faire plaisir, ma gueule. Ah, première vue, c'est pas ça qu'il faut faire. Il veut pas de mes caisses. Raciste. Raciste, monsieur. Tu veux que je te dise c'est quoi la tâche? Vas-y, dis-moi. Ours mal léché, il faut livrer 4 pactoles de ciment à ce type. 3 100 $. Camion avec grue recommandé. Ça va être pour nous, mec. Heureusement qu'on est deux. Le ciment. Le ciment, c'était sur notre chemin en fait. On l'a dépassé. On a même pas fait gaffe, on a dépassé une cimenterie. Ah non, il y a des packs de ciment dissimulés un peu partout. Oh, ça merde. Alors. Voilà. Il y a une histoire de. Est-ce que je peux jeter ma cargaison? Déballer cargaison, hein. Enlever cargaison. Voilà. Je suis un peu plus léger. Alors.
Demi-tour tout. Alors, il y en a un qui doit aller chercher les deux ciments qui sont sur la route derrière. Et je pense que je vais continuer tout droit sur le, la tour, non? Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, vas-y, je fais un tour. Tu fais un petit demi-tour là, les deux pactoles de ciment. Ouais, mais c'est pas de grue, si? Bah si, on a une grue tous les deux. Mais c'est considéré comme une vraie grue? Ouais. Bah, fonction. Réinitialiser grue, activer encre. Ouais. Hein. Ouais, ça a l'air d'être une grue. Hein. Ouais. Je veux dire, on verra bien. Hein. Oh, tu sais quoi, je vais être sympa pour YouTube pour une fois, les mecs. Je vais vous mettre un chrono un peu en retard, mais je vous mets un chrono. Hein. On va essayer de vous bricoler un truc pas trop mal pour une fois. Bon, ça tiendra que pour le premier épisode, après ce sera mort, mais. Au moins le premier, quoi. Bon, par contre, les mecs, quand ils m'ont dit station essence, on a un peu tout trouvé sauf de l'essence, quoi, dans le coin. Hein, c'est... Je les aime pas, quoi, mais c'est un peu chiant. Ouais, avec Marfan, c'est pas possible. Je peux pas y aller. Pourquoi? T'as massacré la route, en fait. Ouais, tu dis ça juste pour me contrarier. Hein. Non, non, c'est juste que je suis obligé de d'avoir mes pneus de gauche dans la neige et les autres pneus sur la route parce que sinon je ne peux pas avancer. Tu sais, on est plus en camion russe, tu sais, les camions américains, c'était un peu les fragiles. Bah après, je fais mon gros sac depuis tout à l'heure, je roulais en boîte auto. Hein. Oh, t'es un enculé. Oui. Oui, si je. Je suis obligé de dire oui, monsieur. Je voudrais dire non, hein, mais franchement, je suis obligé de dire oui. Hein. Par honnêteté intellectuelle, monsieur, hein, je suis obligé de vous dire oui. Alors, faut que j'aille à droite, c'est ça, ouais, ça. T'as tellement massacré le truc que même en avance lente, je m'enterre. Tu peux pas imaginer. Oh, je voudrais bien imaginer, hein, mais le problème, c'est que je m'en fous de ton existence. Quoi. Tu vois, quand on avait fait la carte là avec la grosse rivière. Ouais. Et qu'on passait avec le gros camion une première fois, qu'on devait repasser une deuxième fois au même endroit. Et que la moitié du camion qui partait dans la neige. Bah, dans la flotte. Bah, là, c'est la même chose avec de la neige. Ouais, ok. Ouais. Oh, tu passes un mauvais moment, quoi. Alors, moi, personnellement, je me régale. Hein. Attends, le ciment, il est là. C'est ça que t'es en train de me dire, ciment? Je sais pas, t'as deux ciments sur la route à récupérer. Ah, gros, c'est l'enfer. Ouais, je viens de croire. Ouais. Alors, attends. Déjà, bonne nouvelle, monsieur. Tour d'observation. Hein. On lance une observation. Théma, comment c'est beau. Voilà. Activer. Oh, les conteneurs, sa mère. Alors, la mauvaise nouvelle pour les conteneurs, mon ami. On va être obligé d'en prendre un chacun. Ils sont énormes. Accrocher un treuil, non. Je peux genre... Alors, certes, réinitialiser les aigus, mais... Activer encre. D'accord. Tu veux une bonne nouvelle ou pas? Tu veux la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle? Vas-y, donne l'excellente nouvelle. Ah, l'excellente nouvelle, c'est que je ne peux pas sortir facilement de là où il est. D'accord. Il est trop lourd. Pourquoi je peux que réinitialiser la grue et pas utiliser la grue? Ah, mode grue. Ok, mode grue. Ok, c'est bon, je maîtrise le sujet. Oula. Bon, je maîtrise le sujet, on n'est pas ultra formel, mais... Ok, je suis au-dessus. Fixé. Je me suis retourné. Ok. Tirer ou baisser? On va tirer. Ok, on va peut-être arrêter de tirer. On continue de tirer. Allez, c'est bon, on tire. Hein. Ok. Le treuil, on peut le tirer ou le baisser. Si on tire... Ok, je déconnais. Clairement, il est arrivé au garage. Mais je déconne, c'était de l'humour.
Bon, c'est pas comme l'autre à première vue, faut poser les ancres, hein, faut pas trop faire le con. Ça ne marche pas de ouf. Choisir un marqueur R. Bah, je sais pas, mais juste un marqueur en fait. Ok. Ah, et apparemment, t'as des vrais pneus. T'as un vrai système de pneus, hein. L'est-il ? Je suis dans la customisation que je cherchais, si je dois avoir. Tu peux avoir des pneus chaînés. Tu veux dire que tu es revenu au garage ? Est-ce que tu t'es foutu de ma gueule alors que tu viens de faire un aveu de faiblesse là ? Non. Ah, je déglinguais mon camion, c'était très bien. Incroyable. Vibrateur sismique, what the hell ? Ok, normalement j'arrive là où il y a du béton. Oh, c'est un peu gelé. Oh, c'est un peu gelé. Oh, c'est un peu. C'est bien. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Hein. Ah, c'est. Genre un vrai régal d'aller récupérer du béton sur la glace. Et puis, moi, bien sûr, je fais ça en boîte automatique parce que sinon, ça serait pas du génie. Alors, faisons les choses bien. Déjà, mets un frein à main, s'il te plaît. Parce que je vois le camion qui continue tout droit. Je fais. Tu vas peut-être mettre un frein à main là. Activer les ancres. Méga lourd. Basculer en mode grue. Grue par là. En mode grue, alors, sa mère. Où est-ce que t'es parti, Snarfang ? Je vais te rejoindre. Fixer cargaison. Ok. Alors attends, on a dit mouvement de la grue, tirer, c'est comme ça. Ok. Ça, c'est très ok. Voilà, les points de vue de la grue là, faut encore s'y habituer ça. C'est quoi, c'est ah, parce que je pense qu'en fait, Troy, c'était ça, genre... Tirer. Ok, non, ça c'est bon, ok. Rotation de la cargaison. On peut tourner un peu la cargaison, s'il vous plaît. On peut tourner la cargaison. Ouais, ça c'est intéressant, ça c'est cool, par contre. Sur ça ? Alors, ouais, pour l'instant, ouais. J'essaie de découvrir un peu comment ça se passe. Parce qu'en fait, j'aimerais rentrer un peu mon bras. Alors, il faut que tu le rétractes. Yes, c'est-à-dire c'est... Je vais tirer, c'est ça. Baisser. Ah, baisser, c'est comme ça. Mais baisser, ça me ramène pas mon bras pour autant. Or, comment je déploie mon bras de grue? Ah, bah, comme ça, en fait, je suis con. Ah, c'est bon. Je suis juste couillon. Bah, comme je l'ai fait avec tout avec le joystick gauche, en fait. Et il faut que je finisse de rotationner la cargaison. Et je trouve que c'est cool, la cargaison elle se balade plus dans tous les sens, tu vois. Ouais, enfin, c'est du béton là aussi, hein. Ok, il y aura du béton. Wow, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, frère? Attends, je vais couper mon moteur en te regardant parce que j'aime déjà te perdre 7 litres à te regarder. Le truc qui est chiant, c'est que voilà, c'est qu'elle est au milieu là. Et là, tu fais détacher. Et après, oui, quand tu vas mais le problème, c'est qu'elle est au milieu. Et j'ai besoin qu'elle soit serrée dans un coin. Ok. Est-ce que tu la vois venir celle-là? De quoi? Est-ce que tu sens que je vais détacher la cargaison de là où elle est? Ouais. Réponse, c'est ce qui va arriver. J'aligne juste bien ma cargaison. Ça me paraît parfait, je la détache. Et on en parle plus, voilà. Facile le jeu ou pas? Non mais... Non stop, arrête. Réinitialise la grue, active les ancres. Remplis les cargaisons. Voilà, ça c'est verrouillé. Ça c'est... Pourquoi tu m'as remis les ancres? Ah parce que quand je réinitialise la grue... Oui d'accord, ça réinitialise les ancres aussi, ok. Ah, t'es en train de tester, hein? Ah non, mais moi j'ai déjà essayé, hein. J'ai planté mon camion tout à l'heure. Hein. Ouais, t'as échoué quoi. Je me rappelle. Mm-hmm. Je me rappelle que t'as échoué, ouais. Ah oui, alors on a les frettes. Ouais, mais alors du coup, faut qu'on finisse les ciments si toi aussi tu te charges au ciment. Ouais. Bah, vous tapez la petite marche arrière à la cool. Alors, moi, je me suis gardé l'emplacement le plus simple pour la fin.
Ok, ok, c'est parti. Mais t'es sûr que ça... Comment dire? Non, à première vue, tu peux le poser n'importe comment et après tu le... Astromec comme ouais, après tu le mets. Après, moi, voilà, j'avais déjà bien rangé, donc je sais pas s'il va te dire oui, mais là, en termes de slot, c'est pas bien placé, nanana. Moi, vu que je l'avais déjà bien placé, si tu veux, très bien placé, il a bougé à peine de quelques centimètres. Ok. L'autre, il est en train de se demander, à mon avis, mais ils sont où mes conteneurs de fret, là? Les mecs, ils ont perdu combien de véhicules dans la rivière? Les autres, ils baladent avec du béton. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, ces cons? Alors, comment est-ce que maintenant j'ai le droit de ranger la cargaison? Comment tu ranges la cargaison? C'était avec la touche, je crois, au-dessus de enlever la cargaison. Oh là! Ok, le micro frise par contre. Ouais, après, c'est ça, rempli. Alors, par contre, tu râles, moi je trouve qu'on roule très bien là où je suis passé. Hein. Ah non, je pense que c'est toi qui sais pas conduire. Par contre, les sensations de véhicule sur la glace sont géniales. Ouais. Les reflets sont stylés, évidemment, dans ce jeu. Non, en vrai, le jeu, il a subi une bonne amélioration. Ouais. Bon, la verdure, on voit que non. Hein, la verdure, le mec, c'était pas sa priorité. Non, mais c'est pareil, ça n'a pas sur le jeu, donc on s'en bat les couilles. Mais on a plus de JPEG à la place des compteurs. Vrai. Mais ouais, c'est convaincant quand même, quand tu vois les arbres loin, t'y es, quoi. C'est sympa. Quand tu t'en rapproches, tu te rends compte que c'est un buisson avec deux branches et demi. Mais. C'est deux JPEG entrecroisés. Bon, voilà. Mais. Activons les encres. Mais. On est stable. Mais. Et je vais basculer si en pour ça. Mais si pour ça on a gagné. On a gagné la suppression du JPEG qui servait à l'alimentateur. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Lève-moi ça. Ramène le treuil. Et techniquement, du coup, la réparation du pipeline t'ouvre une autre partie de la carte à laquelle tu n'avais pas accès non plus, hein. C'est-à-dire? Ah oui, on va pouvoir accéder aux autres cartes. C'est ça que tu veux dire? Non, à l'autre partie de la carte. À la partie qui était derrière. Aussi. En ayant raccourci ou quoi. Pas très naturel quand même pour moi le treuil, hein. Le nouveau treuil, je préférais gérer avec deux joysticks en fait. Ouais. C'était plus naturel pour moi. Et là, tu peux le relâcher, là il va se mettre bien. Là. Je peux le relâcher maintenant. Ah. Attends, j'ai pas essayé de passer. J'ai pas joué au fond, moi j'ai pas essayé de passer. Hop. Réinitialise la grue. Essaie de déballer cargaison. Voilà. Non, c'est pas ça. Elle est pas attachée ta cargaison. Non. Des cargaisons. Voilà, bon, en ce moment on a déballé, on a remballé. Vas-y, Michel. Par contre, je vais te demander de m'attendre parce que la prochaine elle est vraiment dans un endroit de merde, tu veux voir. C'est pour ça que je me suis empressé de prendre celui-là. Ouais, non, mais l'autre, tu veux voir. Par contre, tu te plains, ma bouillasse, moi ça passe crème, hein, frère. Hein. T'as bloqué tes différentiels. Pardon, toi, bah ouais. T'as toujours actif, hein. Ouais, je suis en auto, là. Zéro, hein. T'as bien le bloc en fait, diff arrière avec une croix dessus en vert. Ouais. C'est ça. Hein. Bien, je peux pas l'enlever. Arrête-toi là, je suis juste à gauche normalement. Ouais. Regarde où elle est. Ah ouais, c'est un peu chiant. Ouais. Est-ce que tu veux que je te laisse prendre une de mes cargaisons? Et je vais la chercher. Non, je vais aller le chercher. Je vais aller le chercher. Ce que je te demande, c'est de pouvoir me tirer quand je vais vouloir sortir, quoi. Ouais, bien sûr, pas de problème, hein. Parce qu'attends, ça se trouve, je peux jouer avec la distance de la grue, mais je sens que c'est encore une grue de merde. Ouais. Et surtout, je serais toi, justement, je peux présenterai mon cul pour repartir, hein. Si ça, c'est un coup à basculer, c'était trop de travers, hein. Passer en marche arrière là. Marche arrière. Voilà.
Là, normalement, voilà, là, je suis bien. V, encre, puis. J'aurais pas dit ça. YouTube te regarde. Moi, je te juge. Dès que ça devient foireux, j'arrête. Hein. Ouais, commencez par le lever, ma grosse. Tu vois, c'est pas intuitif la gruche. Bon, pour l'instant, après, on va voir, hein, mais. Pour l'instant, c'est pas très intuitif. Je sais pas. Je préférerais la gestion de l'ancienne. Après, c'est. Des poireux. Une fois, c'est à travailler. Des poireux. Je glisse. Ouais. Pose-le, pose-le, pose-le. Voilà, merci. Maintenant, tu réinitialises toute ta grue. Et fini de monter ta colline à la con, il présente ton cul à la palette. Parce qu'en fait, t'es complètement de guingois. Moi, je te vois, hein, t'es de traviole, et en plus, t'as moitié le nez dans le vide. Enfin, c'est un scandale, quoi. Donc, fini de bien reculer, réavance ton nez vers le sapin, présente bien le cul de ton véhicule au béton. Alors, non, il fallait finir de reculer, parce que là, tu vas m'élasser. Hein. Ça va être génial. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. Là, j'ai plus que véhicule, tac. Tu veux que je te le prenne, sinon simplement. Ouais, je veux. Mais là, pareil, t'es de guingois. Si tu voulais être. Ouais, mais. Si tu voulais être ouais, en là, ligne avec lui, il fallait que tu sois toi sur la ligne du sapin. C'est-à-dire, en fait, tu vois, quand. Tu vois la ligne de neige que t'as fait initialement, ouais. Qui devait être ta première entrée dans la neige quand t'es venu ici. Ouais. Il faut que tu sois aligné là-dessus. Parce que c'est l'endroit en fait le plus droit. Et le plus plat. Ah putain, les vitesses dans le jeu par contre à la souris c'est infect. Ouais. Ça je vois là. Ah sinon à la limite tu peux le faire de là, si ta grue est assez longue. Ouais, je vais voir si elle est assez longue, mais parce que là je suis à plat. Elle est assez longue. Ah du moins c'est ce que le jeu raconte. Genre hop je l'ai. Faut que je la lève. C'est bien que tu la ramènes par la gauche. Ouais, remonte ton câble, hein. tu vas défoncer ton camion. Tu vois ce que dresse. Et puis voter ta marchandise peut-être un peu. C'est pas mal. Je sais pas si t'entends le bruit insupportable que moi j'avais avec la grue, une espèce de bruit à répétition, hein, trop chiant. Oh, comme papa normalement. Ouais, et là on fait des balais. Faut que forcément que je fasse des balais. Ah bah ouais. Ok d'accord, j'ai rien dit. Tout à l'heure fallait aussi faire des. Fallait aussi la retirer. Ok. Attends, j'ai mal à la vitesse qui merde. Tu veux enlever ton frein à main oui ou merde? Mais je suis pas en frein à main, je suis en marche arrière, connard. Bah passe en marche avant. C'est bon, je suis. Voilà. Oh, le blaireau quoi! C'est bon là? Ça avance pour toi là? Ça avance. Attends, je vais me retourner. Ne tire pas! Je t'ai bien tiré! C'est toi qui m'as demandé de venir te tirer. Bien le flegme de ton personnage. Tout va bien. J'ai mal braqué. Moi, j'ai fait de la bataille. Je pouvais pas te treuil sur le côté là. T'as assez plus de treuil sur le côté. Mmh. Attends, mais moi je peux peut-être me treuil sur le côté. Attends. Ton moteur il est encore allumé? Non. Non, tu peux pas te treuil du coup, hein, sans moteur dessus. Ah merde.
Non, je peux que troy ton cul ou troy ta tête. Je vais troy ta tête, hein. Bah, pourquoi tu l'as pas pris? Ah, ça l'a défait un temps. Accepté, c'est bon? Ouais, ouais, j'ai fait F pour que ça me tire. Ça sert à rien d'appuyer sur X. Sur F pour que moi c'est le. Ah, c'est chiant, on peut pas de treuil sur le côté. Qu'est-ce que non. C'est que ces camions qui sont mal conçus? Normalement, tu peux treuiller un camion sur le côté. Sinon, sinon t'es emmerdé parce que la plupart du temps ils chutent parce qu'ils sont, sur le côté latéral. Bon bah la méthode russe mon gars hein. Bah quoi que je dis ça hein, les Russes on peut les troyer sur le côté hein. Putain américain de merde. Ouais, bougez ton gros cul salaud. Bon. Tu sais ce qu'il est le garage? Ah. Alors figure-toi que le garage... J'ai rien utilisé ma grue. Oh, ça... C'est un moment qu'on est là. Hein. Les gens y jugent. Hein. Ouais... Bon, allons récupérer les conteneurs déjà de la rivière, déjà bien. Et après on ira chercher notre ciment, probablement dans une autre vidéo. Allez, on fait ça là, on finit vite. C'est où la mission? Je la vois pas. Bah tu me suis. Hein. Je dis tu me suis, mais t'es déjà parti à fond les caisses et jamais. Eh non, tu sors du garage, c'est tout droit, c'est là où on allait chercher le premier pack de béton, et tu me verras. Regarde, tu vois, à peine tu sors, tu me vois. Ah ouais, ok. Ouais, avec des gens en panique, quoi. Ils ont passé la barrière du garage. Quoi, tu retournes au garage déjà? Allez, retourne au garage. Hein. Allez, c'est parti. On voit bien qu'on paye pas l'enlèvement des véhicules. Hein. Non, putain, c'est presque là... dommage. En vrai, c'est presque dommage. Non. J'aurais apprécié une campagne comme ça que les choux, hein. Ça aurait été trop bien. Toi, t'aurais. Voilà. Non, mais moi, j'aurais jamais changé de véhicule. Hein. Je viens de passer la porte du garage, je me suis retourné. Imagine quand on aura débloqué l'amélioration des roues chaînées. Ça n'arrivera jamais. Ah merde, c'est là. Alors non, lui c'est ici qu'il faudra donc livrer les conteneurs. Ok. Donc, où faut-il aller? Ah mais si, on peut toujours faire la grue manuelle, hein. Les points d'ancrage manuels. Arrête-toi. Oui, tu peux sortir tes ancres et rentrer tes ancres manuellement, oui, tout à fait. Non, tu peux utiliser tu peux utiliser encore ton treuil manuel. Ah bon? Si t'appuies sur ta touche web pour utiliser ta grue, après tu peux choisir quel treuil tu utilises. Ah ouais? Ouais. Regarde. Attends, je vais mettre mon treuil de côté, regarde, sur l'arbre. Ah oui, accroche les treuils. Ah oui, du coup, d'accord, oui, ok. Il y en a un à raccourci, rapide, et un automatique. Et un manuel, pardon. Ce qui est intéressant. Maintenant, on a fini de gueuler sur le treuil. T'es sûr que c'est par là? Ouais, moi je prends un raccourci. Hein. J'aime le mot du risque.
Ah bah je suis pas vu, je suis pas le seul. Bon, je crois qu'il y a une rivière derrière. Quoi? Ils sont où les conteneurs? Je crois qu'on s'est planté le chemin, mec. Ah ouais? Oh, ça va falloir reculer, hein. Vas-y, vas-y, je recule. Mais, pourquoi c'est quoi le chemin? Bon, l'une dit qu'il y a un chemin, je le vois pas. Ouais, mais en fait, il est juste après. Je vais essayer de passer entre ces deux arbres, on verra bien. Peut-être ça passe, peut-être ça passe pas. Ah, j'ai encore les réflexes avant. Hein. De quoi? J'arrête pas de basculer en vue intérieure, ouais, c'est ça. J'arrête pas de basculer en vue intérieure, hein, c'est un cauchemar. Mais. Comment donner la gerbe en 3 secondes? Regardez un gameplay de Smartphone sur SnowRunner. Putain, mais carrément. Ah ouais, le chemin il est un peu avalé par la forêt. Ouais, non, c'était un peu avalé par la forêt. Mais il y a un chemin officiel. Alors, sans donner la gerbe aux gens, c'est bon. Je suis lourd. Pourquoi je m'emmerde avec ça? Remets-moi en boîte auto et puis basta quoi. On est américain, on est fou de boîte automatique quoi. Boîte mécanique, on sait pas ce que c'est une étrangeté européenne. Tout le monde sait très bien que les américains n'ont jamais été européens. Quoi? Ouais, c'est bien connu. Ils ont toujours été américains au fond d'eux. De qui? Les américains. Ah oui. Ok. La bonne grue. Je te le dirais bien, je te laisse choisir la caisse que tu veux que je récupère. Je récupère celle qui est peut-être à l'envers. Peut-être c'est ce qui t'arrange le plus. On va se remettre droite. Bah, c'est parce qu'elle est loin, celle qui est à l'envers. Oula. Ouf. Moi bien, tu vas pas kiffer haut. Bah ouais, qu'est-ce que je vais pas kiffer? Ok, ouais, on va pas kiffer haut. Essaye de me la ramener par là. Oh, aïe aïe, ça va être compliqué ça. Allez, là, je vais tenter de la tirer un peu, mais ça va refaire la même que tout à l'heure parce que mon encre elle traverse la carte. Je vais ramener plus vers l'avant de mon véhicule, au cas où. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Plus vers l'avant de mon véhicule. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud, je vais me retourner. Mais casse-toi, tu me gênes, connard. Non, je viens pour bloquer ton camion. Casse-toi, tu me gênes, connard. Ok. Casse les couilles, connard. Attends, je vais te tirer, Tu pourras pas me tirer. Si. Eh, mais tu peux me tirer que par le nez. Tu pourras pas pouvoir me tirer sur le côté. Si, je peux. Ah ouais. Oh. Alors attends, je vais peut-être réinitialiser mes enfants. Ok, vas-y. Stop, 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 stop. Doucement, doucement. Enfin, y aller doucement, doucement. Je vais finir dans la rivière, ok. C'est bon, ça a mis. C'est bon? Ouais. Ok. Est-ce que je peux... Attends, je décroche le spoil. Voilà. Ouais, maintenant, par contre, je suis dedans. Il va falloir me retirer par là-bas. Ouais, attends, deux. Je pense que l'astuce c'est que j'aurais dû serrer plus d'un côté plutôt que d'essayer de bien me mettre sur le milieu. Oh attends. Ah merde. Bah, faut pas que t'appuies sur ta touche pour avancer quand je vais te try. Faut pas que tu bouges ton joystick. Ah bah attention, je peux rien bouger monsieur. Je bouge plus.
t'aurais d'abord dû peut-être essayer de sortir intégralement de la rivière. Voilà, sur le côté, mais essaie d'abord de sortir intégralement de la rivière, sinon j'enlève mon véhicule. Je vais passer en boîte auto quand je spoil, parce que sinon je vais galérer. Alors, voilà, alors, commence par ça. Ensuite, on recule. Ah merde, faut pas... Excuse-moi, j'ai accéléré par réflexe. Ouais, ouais. Alors, hop, on sort et on tire. Alors, je crois que ça va pas tirer là. Non, 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 ok. Bon. On va faire comme, comme tout à l'heure. On va te tirer sur le côté, on va te remettre droit et après seulement, quand tu seras droit, on va te... Je vais enlever mon véhicule. T'enlèves ton véhicule ? Ouais. Ça ira un peu plus vite, hein. En vrai, le dépannage dans le jeu, ça m'a l'air d'être assez complexe, hein, dans certaines situations. Bah là, c'est le même problème que sur le 1. T'as tes deux roues avant qui clipaient tout le pont et qui refusaient ouais, d'avancer. Ça, sous le pont. Donc fais gaffe à la caisse que tu veux récupérer. Je te conseille de serrer un coin du pont qui est opposé à celle que tu veux récupérer, sinon tu vas te galérer. Ah non, moi je vais pas me mettre sur le pont. Ouais, t'as peut-être pas besoin de t'y mettre. Moi pour celle que je voulais prendre, j'avais pas le choix parce que je t'ai forcément tendu au max. Et bon, on retiendra que c'est à cause de toi que je tombais. Non. Ah si, t'as touché mon camion, je t'ai dit dégage de là, t'as bougé, je tombais. C'était bien. T'étais en train de tomber et je t'ai ramassé. Pas en train de tomber, je suis en train de basculer tranquillement. J'essaie de gérer sa masse. J'essaie de faire de la gestion de masse. Alors je te conseille de mettre ton frein à main quand tu commences à jouer à la grue. Ok. Peut-être lui faire ça aussi. Alors, moi je veux bien, mais il est où le chemin ici en fait là? Il n'y a pas de chemin. Ah si, alors si, mais alors vite fait. C'est-à-dire que le chemin c'est censé être ça là. Ah oui, c'est ça. Entre, en vrai, il est caché entre deux sapins. Et il y a un chemin, officiel. Je vais nous le déneiger un peu. Mais il est encore plus pourri que le chemin que j'ai pris. Et putain, leur chemin est pire que celui que j'ai taillé moi au milieu. Entre les deux sapins. Mais vas-y, je me casse de là. Leur chemin c'est de la merde. Là, c'est le jeu qui t'incite vraiment à prendre d'autres chemins. Quoi. Tu vois la 4 voies ? Passe par la route de campagne, les 180. J'ai une cargaison. Ah, y a quand même des petits effets de neige qui tombent des branches quand tu les tapes, c'est quand même... Si, y a quand même un petit bout hein, sur la verdure. Entre deux jetpacks. J'ai le conteneur. Ah, j'ai touché un petit sapin. J'ai un des conteneurs. Ok. Mais je me suis remis dans le même sapin, je suis pas là, ou c'est comment? J'ai un peu la réponse à cette question. Là. Oh, ça doit faire mieux, mais ouais, attends, je me recule. Mets-toi bien face à lui. Hein. Ou fais-le tourner avant de le récupérer, de le soulever. Mais comment ils ont branlé pour perdre leur conteneur ici? Ah, je sais pas, mais alors, ils y ont mis du cœur, je crois. Ça deux, on y met du cœur. Pardon. En fait, j'ai l'impression que tout est extrêmement lourd, tu vois, pour aucune raison. Autant le ciment, je veux bien. Autant le conteneur, je veux bien, mais les prochains trucs... Genre, si tu me dis que les pièces de réparation dans les caisses en bois, c'était... aussi lourd que ça, je jure. Faut que tu baisses un peu pour le...
Bien joué. Détacher le train ici. Après, la cargaison. Entre dans les ancres. On utilise la grue. Bah, c'est pour faire la route des sapins là. Ouais, vas-y, passe. Et lui en fait il veut qu'on passe entre. On voit que dalle. Hein. Lui il veut qu'on passe entre ces deux sapins là, mais j'ai l'impression qu'en termes de branches, les deux sapins ils sont pas très très beaucoup d'accord. Non, ça c'est la route que j'ai fait ça, non? Non, c'est bien celle-là. Voilà, c'est... voilà, tu dois passer entre ces deux branches de sapins de mort là. Et ça accroche un peu. Hein. Attends, faut que je fasse une marche arrière. Ah, pardon, attends, recule. C'est bon. Par contre, tout ça en boîte automatique. Hein. Mon premier jeu, je pense que Dave il aurait rigolé en temps normal. Mais bon, là, c'est du bon, c'est des Américains. Laisse pas jouer la boîte automatique. C'est foutu. Ouais, et le mec donc, était à gauche. Comme quoi le jeu est vraiment conçu pour être joué en coop. Hein. Ouais, celui-là. C'est cool hein, ceci dit. Ouais, jusqu'à 4 d'ailleurs, coop à 4, on oublie de préciser. Ouais. C'est quand même plutôt cool. Genre, il pouvait pas sortir genre une grue ou un truc comme ça, il allait le faire tout seul le mec. Oh, imagine, t'as un de tes potes, il joue que la grue quoi. Il est là, c'est Gruman en fait. C'est bon. Ouais. J'attends peut-être pour poser le deuxième. Attends, je vais lui un peu de place. Attends, c'est ici pour le poser? Bah, je sais pas, mais enfin, c'est là que tu récupères les tâches non. Normalement. Ah, ok, donc il faut déposer ça sur 4 chargements. Ouais. Hop, 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 hop. Pas de place. Oh, faut qu'on le décharge, gros. Oui, il faut mettre ça sur le cas d'à côté, quoi, manuellement. Ouais. Attends. Bouge pas, hein. Merci. Non, mais bouge pas. Non, mais dans tous les cas, il fallait que je bouge. Mode de rue. Allez, alors, non. Pas mode de rue. Déballer, carguer. Ensuite. Mais bientôt frein à main. Ouais, il n'y a pas de frein à main, il n'y a pas d'encre, il n'y a rien. Attends, là, il m'a saoulé. Donc, il m'a ultra saoulé. Soulève-moi cette boîte de con. Voilà, boîte de con s'est soulevée. Tourne-moi cette boîte de con là. Voilà, bouffe ta boîte là. Non, tu l'as ta boîte, enculé. Pourquoi la boîte elle est buggée en l'air? Ah, parce qu'elle touche ton camion. Ouais, ça va, elle touchote légèrement. Mais... ouais, vers toi, connard. Ah, ça compte pas? Comment ça? Ah, t'es peut-être toi un peu trop loin, monsieur, toi. Hein. À toi, elle compte? Je sais pas, mais la mienne, en tout cas, elle est à peu près dedans. Hein. Mais est-ce que la tienne, elle compte? Ce que t'appelles la mienne, elle compte. Comment tu sais si elle compte? Bah, est-ce que ça te valide un objectif ou pas? Je sais pas, moi. Attends. Je vais réutiliser ma grue. Je suis à peu près sûr, espèce de connard, que c'était pas le bon endroit. Ah, tu veux dire que c'était pas ici qu'il fallait les livrer? Ouais, ça aurait été trop facile. Attends, c'est déjà assez chiant comme ça de devoir livrer ces conneries à l'autre coup. Mais non, mais merde, il faut que je la soulève, ça sert à rien que je tire trop loin, faut que je la soulève. Ok. Reviens vers moi là. Alors, revenir vers moi, c'est comme ça. Ok. Ça va bébé, calme-toi, calme, tranquille. Tranquille bébé, ça va bien se passer. Calme-toi, papa est là. Yes. C'est les petits gars qui mettent des petits à-coups.
Ceci dit, si je l'ai lâché comme un gros sac comme ça, est-ce non, que ça le jeu... Non, ça marche pas, ça marche pas, j'en ai essayé. Empiler cargaison. Allez, chier. Quoi? Salut le bouseux. Hop là. Salut le paysan. Bon alors attends, on va aller voir cette mission. C'est quoi? C'est le contenu dans la rivière, c'est ça? Il faut livrer au port. Tu suis un peu ce qui est écrit sur la quête là, s'il te plaît, parce que c'est un peu fatigant en fait. Je vais te niquer ta race. Le port n'est pas à côté. Mais suis-moi, je connais un passage. Je te suis, hein. Vas-y. Eh, c'est surtout de la route normalement jusqu'au port. Normalement, c'est relativement tranquille. On a fait le plus dur, hein. On a ramassé les caisses, on les a pas livrées au bon endroit, on les a déchargées, on les a rechargées. Certains même sans frein à main, sans encre, sans rien, avec le moteur qui continue à rouler. En automatique, au calme. Tout va bien se passer. Avec la grue qui est encore en l'air. Avec la grue qui est encore en l'air. Voilà, bizarre. Eh, si tu te plantes, je me plante, hein. Je te préviens tout de suite. Ouais, ça va bien se passer. Ok, à partir de là, j'ai un doute. Ok, à partir de là, j'ai plus de bouffe. Le camion qui part tout droit quand t'arrives à fond la caisse dans une montée, marquer un virage. Pourquoi tu freines? Pourquoi tu freines? Parce que je vois des routes partout, donc je sais plus, tu vois, je suis troublé. Je suis troublé, même si ça a l'air d'être un méchant tout droit de chez tout droit, quoi. Va tout droit, cherche pas, on est aux États-Unis. Ouais, c'est vrai qu'on est aux États-Unis, c'est relativement tout droit. Ouais, mais c'est un jeu pote. Oula, attention les suspensions, mec. Hein. Attention, il y a une quête ici. Oh putain, oh putain, oh putain. C'est accepté. Il y a un petit problème de pont ici, là, en fait, je crois. Ce qui veut dire que il existe un chemin obscur, mec, qui était précédemment un petit pont. Ah non, non, tu passeras pas ici, hein. Tu rêves. J'ai fait demi-tour. Ok, d'accord. Ah, je viens d'éclater mes pneus sur la rambarde de sécu, ça fait plaisir, ça. J'ai plus de pneus arrière, officiel, hein. De pneus arrière. C'est vrai, ouais. Il est crevé. Ouais, et j'ai plus que la moitié. Ouais, et oh là. Et j'ai plus que la moitié de mes... Un quart, un tiers. Enfin, je vais arrêter de donner les stats de mon véhicule, je pense. Ah oui, je suis crevé. Je suis crevé à l'arrière droit. Trop bien. Trop bien fait. Trop bien. C'est bien. Et en vrai, ça va me donner un peu d'amorti dans la neige. Excellent. Tu penses que par là, ça passe? Ah bah, y a pas le choix. Pas sûr qu'on passe, hein. Ah bah, va falloir, hein. Ça passe très bien. De toute façon, suis-moi, je connais un passage. Et ça passe avec une roue en moins en plus, hein, donc t'as rien à dire. Hein. T'as juste le droit de dire oui, monsieur. Imagine les pecnos qui étaient ici, qui voient deux mecs en camion qui passent à 75 sur des routes sans route. La base. S'ils peuvent avoir un petit champ de larvée rouge et une bouteille de vodka, ils trouveront ça parfaitement normal. Ok, là je connais moins un passage. Si, si, c'est bon, je connais toujours un passage. De là, en fait, hein. Ok, c'est juste que je regardais pas bien, c'est tout. Alors, ça passe, hein. Mais faut pas être trop exigeant. Je vais me mettre en vitesse basse pour avoir une meilleure accroche. On va pouvoir aller chercher cela, hein. Je l'ai tout de suite, hein. Si, si, ça va bien se passer, t'es caté. Ça se passe super bien. Voilà, je me ramène un peu par là. Hop. Je joue en première personne sinon pour passer, hein. De quoi? Je joue en première personne pour passer ici. Non, non, mais c'est pas ça, c'est moi juste pour m'assurer de pas trop glisser. Est-ce que tu sais, vu que j'ai en fait là tout le poids sur ma roue arrière droite et c'est celle qui est crevée, c'est plus compliqué et je cherche à garder un peu de stabilité, vois-tu. Oh là, tu frises encore? Ah ouais, ouais, et j'ai senti la pilote. Voilà. Un mur. Voilà, je bascule en vue intérieure parce que, évidemment, je me suis bourré. De toute façon, je rebascule en boîte auto, là, on est sur du plat, là. Hop là. Faut bien que je laboure la terre pour le mec qui est derrière. De quoi? J'arrive pas à avancer là où je suis. Mais si, t'arrives à avancer. Je suis passé, mec, avec un pneu en moins, tu passes. Jamais t'entendre parler de ça passe pas.
plus jamais ça. Hein. Pas comme ça, Zinedine, tout ça, tout ça. Par contre, juste le système de boîte auto à la souris pour passer des vitesses, ça emmène ta souris tellement loin. Alors, si je dis pas de bêtises, ce panneau nous indique le port. PORC, ça a l'air d'être le bon truc. On y va! En avant, Guingamp! Mais attends, mais le panneau est vraiment traduit en français? Ouais, c'est trop mais, bien. Mais meilleur jeu! Hein. Parce que dans le 1, il se faisait pas chier le mec, hein. Les panneaux étaient écrits en russe et nique ta mère. Hein. Ouais, après, c'était roleplay, hein. Tu joues en Russie, mais par contre, les panneaux américains étaient bien en américain. Non, non, il est l'or, hein. C'est juste que là, il a été sur l'or, c'est vrai. Il a pas marqué Arbor là, ou Pearl. Tu vois, il a juste marqué. Voilà. Attends. Arrête de me pousser, enculé, je sais. Là, il faut que je connaisse un passage. Ouais, c'est bon, je crois que je connais le passage. Je te préviens, c'est alambiqué, hein. T'as pas intérêt de trop me coller, hein, parce que c'est un peu sport. Hein. À n'importe quel moment, tu me renverses et c'est baiser. Hein. Patrouiller un peu. Oh. We got a problem. We got a problem. Alors. À partir de là, je peux rien treuil, non? Si. Ok. Alors, il faut que je treuil. Non, non. Alors, par contre, il faut que je treuil. De là. À. De là. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, c'est passé, c'est passé. Ouf. C'est chaud, hein. Je te cache ouais, pas, mec. Ouais. Un peu chaud, hein. C'est un peu ouais, chaud. Ouais. T'hésites pas à faire comme moi, tu ponces la roche avec ta remorque, hein. Pour éviter de tomber, hein, ah, mais ok. De toute façon, je suis déjà retourné, hein. T'es déjà retourné? T'es un enculé, en fait. Bah, je suis remonté pour te laisser un peu de place, tu vois, pour manœuvrer. Mais non, mais. Fallait juste arrêter de gigoter, espèce de. Oh là là, mais où est-ce qu'il me met le jeu? Alors attends. Non mais quand il y a un sapin qui pousse au milieu du chemin, c'est quand même. Hein. Oh wow. Oh là là. Eh mec, pour livrer ta caisse, mais, on va mais souffrir. Mais on a dit qu'on. Et on a dit qu'on mettait un chrono. Ouais, bah on est toujours bon, hein, 46 minutes, on est toujours bon. Hein. Ah non, mais je vais quand même pas commencer à faire des vidéos de 10 minutes, hein, c'est mort. Hein. Oh, y'a une dépanneuse, mec, si je peux débloquer la dépanneuse. Ok. Nouvelle mission. Est-ce que je peux livrer? S'il vous plaît. Non, c'est une tâche. C'est avec l'enfant que j'ai. Putain, c'est une tâche, c'est pas de mort. Bon, ça a accepté, bien sûr. Ouais, c'est juste une tâche. Une tâche. Et je peux pas débloquer le truc. L'enfant, on va avoir un autre problème très vite. Oh là là. Oui. Regarde ton réservoir. Non, on est bon. Tu fermes les yeux, tu plisses un peu, voilà, ça se passe. En plissant les yeux. En vrai, il me reste la moitié de mon carburant, hein, t'abuses, hein, ça se passe quand même plutôt très bien. Il me reste 46. Il me reste la moitié de la jauge de carburant. Non, il me reste 66 sur 150, hein, moi de mon côté. Hein. Donc t'es très médisant. C'est normal que mon camion soit posé sur la remorque, sur le pomme. Je sais pas, mec. Là, si tu veux, je suis en mission pour le Seigneur, là. Allô. Voilà, merci, le jeu. Pour un peu d'éclairage, s'il vous plaît. Oh, j'ai envie même de faire ça en vue intérieure. Allez, c'est parti. C'est pour toi, YouTube. C'est pour toi, public. Je vois le sapin. C'est au un peu moins aboutissant, quelque part. Hein. Attends, mais il y a vraiment un chemin au milieu du ponton? Ah ouais, il y a un chemin. Mais attends, tu roules ou pas, là? Bah là, je roule, oui. Mais, comment ça? Je croyais que tu t'étais planté dans le décor. Ouais, bah je suis planté dans le décor, mais en fait, il se trouve que l'inclinaison du camion me permettait d'avoir le moteur allumé. D'accord. Est-ce qu'on peut prendre de l'essence si... Non, c'est une tâche. Non, rentre pas, hein, c'est un gâchis. J'ai pris la quête. Hein. Ok. Mais t'inquiète, ça passe l'argent. Et ça passe à cul droit, moi. Hein. Je peux pas le savoir. T'inquiète. J'ai cru comprendre. Par contre, évite comme d'habitude d'essayer de me coller, hein, si jamais. Je suis pas à côté de toi, donc. Pour non, mais si jamais. Ouais. Dans la phrase, il y avait si jamais à la fin. Tu
tu vas voir, les virages, faut les reprendre un peu, faut les pré-shot, un peu compliqué. Et par contre, là je vois le boulot. Par contre, en première personne, en vrai, en première personne, le jeu est tellement plus intéressant que l'autre, puisque t'as plus JPEG. Je me suis encore retourné. Putain! Moteur calé. Plus JPEG, puis t'as moins de bruit de moteur, hein, donc c'est sympa aussi. Hein. Ouais. Gestion de cargaison. Bam, déchargé ma gueule. Et 2-1. Et 2-1. Et 2-2. Et 2-3. 0. Bref. Est-ce que t'as besoin que je vienne te chercher par la peau du zboob? Ah, mais moi c'est mort, la cargaison elle est tombée et je suis pas volé. Ouais, mais ton camion. Ah, tu sais pas où elle est? Tu l'as perdue dans la pampa là? Non, non, elle est tombée sur un arbre puis elle a fait. Elle a des potes? Ouais. T'en fiches ma gueule là. Non. T'en fiches ma gueule. Du coup, je la regarde sur la carte si je la trouve, mais je la trouve pas. T'en fiches ma gueule. Attends, c'est quoi ce maquette en fait? Il me troll tout à l'heure. Ah non, non, non. Si. Conteneur dans la rivière. Ah, il a respawn au bâtiment. Là-bas. D'accord. Conteneur dans la rivière, il a respawn au niveau du bâtiment si on essaie de décharger. D'accord, ah, au dernier point. Bah, dans ce cas, fais enlever ton véhicule, comme ça, hop, tu retournes au PC. Plus rapide. Ouais. Ouais, je vais vous refaire. C'est plus rapide. Hein. Tant qu'à faire. Ouais, mais est-ce qu'on arrêterait pas là? Ah, tu vas me chercher cette caisse, hein. Démerde-toi. Hein. Ah, si t'as raison d'être du cul, parce que je te connais, hein, mec. Hein. Plus jamais non, tu vas rejouer au jeu pour éviter de ramener cette caisse. Hein. YouTube te connaît. Non, moi je le ferai, hein. Mytho. Non, mais je le ferai. Pour de vrai. Combien de fois il a fallu que je tire par la peau des fesses pour venir finir mes drones? Là, t'auras même pas besoin de le faire. Est-ce qu'on concessionnaire? Qu'est-ce qu'il y a comme Kemtar? Prends celui-là, mec, c'est ce qu'il y a de mieux. Sinon, t'as l'autre camion qu'on avait aussi qui est en extérieur. Mais en vrai, c'est chaud. Que toi, tu as, c'est le tien. Attends, pour accéder à cette tour de guet là, on y va comment là? C'est quoi l'histoire là? Ah, oublie pas qu'on a aussi un super tuk-tuk, méchant truc pour un super 4x4 d'exploration avec pneus creux et tout. Hein? Comment ça? Dans les véhicules premium, on a au garage. Dans les véhicules qu'on a au garage, dans notre camion, on a le Can Marshall, un coupe. Oui, c'est vrai qu'on a un autre véhicule. Et c'est un petit. Ouais, c'est un petit. Ouais. C'est deux pneus bout 44. C'est des pneus creux. Avec un bloc différentiel. Ok. Moi, en tout cas, je vais finir de nous révéler la zone. Déjà, ce sera un peu plus confort pour la suite. Parce que éventuellement, si ce chemin ne te plaît pas du tout, je suis en train de me dire que peut-être cette tour nous permet de voir un autre pont. Donc je vais essayer de passer l'accueillir. Wow, il y a un cratère ici là, c'est quoi ça? Parce que pourtant ça ressemble pas sur la carte. Hein. Et moi là c'est chez moi, ça a commencé vers les trous. Désolé, je dois abandonner. Oh là là. Je vais quand même puis cet espace. Puis après, on a demain. De toute façon, ce jeu en fait est fait pour jouer à plusieurs, tous en même temps, et peut aussi se jouer tout seul. Mais je continuerai avec Smartphone, voilà, je le jure. Ouais, surtout, putain, il y a une tonne de quêtes, évidemment toutes FedEx, hein. Évidemment, vous avez critiqué le grand jeu d'Hideo Kojima, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de camion. Je comprends, hein, je comprends. Alors là, FedEx-moi bien la face. Hein. Je continue encore tout droit, ok. Et là, je suis bientôt à la tour de guet. Voilà. Ce sera débloqué. On finira là-dessus sur une vidéo qui fera un tout petit peu plus vide. Hein. C'est très bien.
ça, vous n'aurez pas été volé dans votre ration de galère éternelle dans la boue, enfin du coup dans la neige boueuse. Et c'est formidable. Donc, c'est compliqué à monter ça. On nage un peu. On va revenir un peu à droite. Tu vas aller. Moi je peux y aller. Ouais, ça marche. Déglingué. Encore désolé, dire que ma lâche comme ça. De toute façon après on se retrouve pour faire du capitalisme de dessus. Exactement. C'est vrai. Passe mon switch entre les deux. Oh c'est horrible. Alors je crois que j'ai un caillou sous mon camion. J'ai un caillou sous mon camion, c'est certain. J'atteindrai pas le l'avant-poste. Ah ça a pété. Oh non. Ah mais arrêtez de me déraciner tout. Les sapins là. Y'a aucun sapin qui tient, mec, j'ai déraciné toute la carte. Tu es ton tube. Secours. Allez. Oh, mais que j'ai pas encore déraciné, mais vas-y, des bisous. Oh, ce petit son est cool quand même, YouTube. Non. Pas dû insister trop par là. En fait, je suis en train de réfléchir à l'autre chemin qu'il y avait là, peut-être qu'il y amenait retour derrière, je suis pas sûr. Je suis pas formel là. Et ben on part sur un enlèvement de camion. Voilà. On enlève le camion parce que de toute façon on n'a plus beaucoup. Ah oui, c'est peut-être aussi pour ça en fait. Que je compte plus. Peut-être parce que j'ai plus assez de carburant. Mais bon voilà. Quoi qu'il en soit. Ah ouais, oh les camions. Rapport poids, durabilité, consommation, taille du réservoir. Ah, il y a le type de pneu, ok. Et c'est que des pneus d'autoroute là, il n'y en a pas un tout. Ah, tout terrain. Oh, tout terrain. Intéressant. Ah oui, il y a même de l'engin de chantier, ouais, c'est cool. Oh, c'est cool. Oh putain, il y a masse camion en fait là. C'est quoi le délire là? Ah, ce que j'allais dire, non mais on a dû faire le tour en fait. Non, non. Ah, il y a masse camion en fait. Voilà. Il y a quelques mobilettes. Faut tout acheter évidemment. Sinon c'est pas drôle. Bon, bah sur ce, je vous remercie. C'était Gnarfang et du coup Antonin sur comme d'habitude Gaming pour Snowroader. Des bisous à la prochaine.